félicitations à lui. C'est avec beaucoup de fierté et c'est un honneur pour moi et pour les joueurs de l'équipe de pouvoir le côtoyer au quotidien. Ah oui, c'est incroyable, mais le gars, il parle de marquer, il pense de marquer, il fait tout pour marquer, il vit pour marquer des buts et c'est absolument nécessaire pour être sur ce niveau-là. C'est extraordinaire et nous sommes très heureux que nous sommes dans la même équipe et on vit ce moment ensemble. C'est un incroyable personnage de déjà passer ce cap de son but. Dans les premiers jours qu'il était ici, il nous a impressionnés jour par jour. Il a un avenir devant lui magnifique, ça dépend que de lui, mais c'est un garçon qui va faire toujours mieux et c'est pour ça que j'ai pas de doute qu'il va devenir encore plus fort avec le temps. A relação que eu tenho com o Kylian é de irmãos, né? Sou irmão mais velho. Quando tem que puxar a orelha dele, todo mundo pede para que eu fale com ele, né? Mas é um cara excelente. Ele é um craque dentro de campo, fora. Ele é muito maior, né? É um cara competitivo, alegre, sorridente, amigo, companheiro, né? Quer sempre aprender, quer sempre as melhores coisas. E eu fico feliz com isso. Ah, mas eu penso que Kylian faz parte dos 5 melhores atacantes do mundo. É um jogador que ele é muito importante, ele prende sua responsabilidade, ele é sempre lá. Il est comme sur le terrain, il est un gars très agréable, il est un gars qui fait beaucoup de blagues, on peut sourire et rire beaucoup avec lui. Il essaie de pousser aussi ses coéquipiers vers le haut. C'est un qu'il est. Il est très exigeant avec soi-même, mais aussi avec les gens qui jouent avec lui. Il a une accélération unique et une finition très très forte. Et ça, c'est unique. Acho que mudou bastante coisa no Paris, né? Acho que o Paris conseguiu elevar o seu nível na Europa, né? Chegamos a uma final de Champions League. Então vem crescendo, a gente vem buscando os nossos objetivos juntamente com o clube. E isso é o que é o mais importante. A gente fica contente de poder transformar o Paris nos tops mundiais. Et on sait que c'est un garçon qui est très compétiteur, donc le voir arriver à ce niveau-là de but, c'est pas choquant. Et j'espère qu'il en mettra encore plein, plein, plein. Et il joue sur le meilleur niveau, c'est clair. Je dirais talentueux. Dévastante, dévastante, c'est un que quand il passe, il casse un peu tout parce que pour sa vitesse, on dirait que les autres sont tout lents. C'est impossible qu'il va comme ça. Après, avec sa vitesse, il met aussi en qualité technique, il a un grand frappe, il est très fort devant les gardiens. Il est un shark. Phénomène.